Thank you.
Bonsoir à tous. Nous prenons, nous allons nous lever pour accueillir notre prêtre en chantant Aube Nouvelle. Seigneur, mon pitié de vous,
Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous assure. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracé droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion, élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qu'il allaite. Parole du Seigneur.
lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était venu, était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défendre la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Tout au long, frères et sœurs, de cette année liturgique nouvelle, la liturgie, nous fait entendre l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, c'est le commencement. Cela nous renvoie d'ailleurs au début de la création. Dans le livre de la Genèse, il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Finalement, c'est une manière de dire que Dieu est le commencement de toutes choses. Et l'évangile de Marc nous invite à accueillir Jésus, qui est capable de faire toutes choses nouvelles. Cet évangile s'ouvre donc par la prédication
de Jean-Baptiste au désert, alors on pourrait se poser la question, pourquoi avoir choisi le désert pour apporter et annoncer cette bonne nouvelle? Pourquoi ne pas avoir, par exemple, choisi un lieu de passage des foules? En fait, il y a plusieurs raisons. Dans le monde de la Bible, le désert, c'est, vous savez, un lieu symbolique très fort. C'est en réalité le lieu de la rencontre avec Dieu. Oui, c'est de ce lieu dépouillé que Dieu parle au cœur de l'homme pour l'inviter à se convertir, préparer les chemins du Seigneur, aplanir sa route. Se convertir, c'est sortir de nos habitudes sclérosées, parfois de nos lamentations stériles. Il s'agit d'enlever, peut-être de demander au Seigneur d'enlever en nous ces obstacles qui existent dans notre cœur pour qu'il puisse venir nous rejoindre. Et puis le désert, c'est aussi le lieu de l'aridité de nos cœurs. Nous le constatons tous les jours, nos cœurs ressemblent souvent à une terre aride, altérée, sans eau. Pensons à tous ces déserts d'humanité où l'homme est devenu un loup pour l'homme, déserts aussi où la dignité de l'homme est bafouée, ces hommes et ces femmes qui sont traités comme des objets et qu'on jette. Et puis n'oublions pas non plus les déserts de solitude et enfin les déserts d'amour de ceux qui ne savent pas aimer ou se sentent mal aimés. Eh bien, dans tous ces déserts, nous voyons des hommes qui n'arrivent pas aussi à se comprendre, à se supporter et qui ont bien du mal à aimer leurs semblables. Or, eh bien, c'est dans ces déserts que le Christ nous rejoint. L'Évangile commence en réalité dans le désert de nos vies. Vous le savez, dans le sable du désert, il n'y a pas de vie, à moins qu'on y apporte de l'eau. Alors la végétation est capable de fleurir. De même, sans la présence du Seigneur, eh bien nos vies sont desséchées. C'est lui qui donne vie à notre âme. Alors soyons clairs, seul l'Esprit Saint est capable de guérir toute maladie. C'est d'ailleurs ce qu'affirme le credo de Nicée Constantinople en nous disant « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». C'est l'Esprit Saint qui soutient alors tous nos efforts de purification, notre désir de nous convertir. C'est lui aussi qui nous fait comprendre que tout membre participe à la sanctification du corps, soit ou alors à son affaiblissement. Saint Augustin dira par exemple, tant qu'une partie adhère au corps, sa guérison n'est pas désespérée. Mais ce qui a été sectionné ne peut être ni soigné, ni guéri. La guérison est donc aussi le fruit de la conscience d'abord de la maladie et de cette décision personnelle ou communautaire de se soigner en supportant le traitement avec patience et persévérance. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, temps de l'attente où Marie nous accompagne, demandons à la Mère de Dieu, la Mère de l'Église, de guérir les blessures du péché que nous portons en chacun de nous. Demandons-lui aussi de nous donner le courage d'humblement de nous reconnaître pécheurs et d'exprimer au Seigneur le besoin de recevoir sa miséricorde. Oui, abandonnons-nous entre les mains maternelles de la Vierge et confions-lui nos intentions de prière. Amen. Nous allons professer la foi en reprenant le symbole des apôtres.
symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a péché de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et le monde à venir. Amen. Présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Pour celles et ceux qui attendent un appel intérieur à la conversion sans arriver à y répondre, Seigneur, nous te prions. L'injustice et l'oppression, et particulièrement pour le peuple arménien, Seigneur, nous te prions. Soignants qui ont une mission d'accompagnement des plus pauvres, des plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Consolation de l'Église, Seigneur, nous te prions. Daigne, Seigneur, entendre la prière de tes enfants ici rassemblés et nous exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers,
qui nous donne ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de l'âme. Soit-il maintenant. C'est aussi le moment. Puissions être unis à la divinité de ce pain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles époux, nous supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour de grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du ciel. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Partout dans le monde une offrande. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour les siècles des siècles.
esprit que nous avons reçu du Seigneur nous aux autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ni la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, en respectant les distances, vous donnez un signe de cette paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, il est venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève la péché du monde, Seigneur de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur la colline, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché de nous, en pitié. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève la péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur,
et contemple la joie qui te vient de ton Dieu. Quelques instants pour rendre grâce au Seigneur qui a choisi ce sacrement de l'Eucharistie pour être en communion avec nous.
quelques informations. Demain, on a encore gardé, parce que comme c'était, il y avait un peu de flou, savoir si au niveau des, si on pouvait accueillir plus de 30 personnes ou pas. Donc, il y a encore une messe à 9h30 pour les balances demain et une à 11h. Et après, on passera au rythme normal. Il y a une présentation de l'exposition, là, un vernissage qui se fera à 15h dimanche. On va en parler qu'à ceux de Bourg-les-Valences, parce que cette exposition, après, ira à Châteauneuf et à Saint-Marcel. Donc le but, c'est aussi de rassembler les gens. On veut pas trop qu'il y ait... On n'en a pas fait trop de publicité. L'idéal, ça serait de rassembler une trentaine de personnes. Parce que on veut garder encore les distances de sécurité. Donc c'est à 15h et à 16h, il y aura l'adoration dans la chapelle, chauffée. Jusqu'à 17h. Lundi, on fera mémoire de Saint-Ambroise. Mardi, c'est le 8 décembre, l'Immaculée Conception. À 15h, il y a la messe au Clos Rousset. À 17h45, un chapelet qui précède la messe, parce qu'on n'a pas le droit de faire de procession pour l'instant encore. Donc un chapelet et la messe à 18h30. Et puis, l'adoration eucharistique de 21h jusqu'à 8h le matin, en s'inscrivant, il doit y avoir un tableau. Mercredi à 10h30, les funérailles de Monsieur Jules Moreno à Bourg-les-Valences. De 16h à 17h, il y a l'adoration de C.A. Saint-Marcel. Voilà. Jeudi, Notre-Dame de Lorette. De 16h à 17h, l'adoration à Bourg-les-Valences. Et vendredi, c'est les horaires habituels. Samedi, on fera mémoire de Notre-Dame de Guadeloupe. Il y aura la messe cathée à Saint-Marcel à 10h30. Et puis à 17h45, un chapelet téléphoné ici même. Et puis, dimanche prochain, les horaires habituels, à savoir la messe à Châteauneuf à 9h30 et la messe à Bourg-les-Valences à 10h30. Et la messe à Saint-Marcel à 11h. Et on a remis de l'adoration de 15h à 17h. On s'est dit, c'est le temps de l'Avent. Voilà. Mettons en relief ce temps qui nous prépare à Noël. Le 8 décembre, vous êtes invités à mettre des lumières aussi aux fenêtres. Et puis, il y aura aussi la journée du secours catholique, mais il est déplacé donc, le 20 décembre avec une vente de bougies. Voilà. Puis, on vous a remis encore le. Vous savez, par téléphone, vous avez le code pour pouvoir suivre la messe ou par vidéo sur le site sainte-jade-catholique.fr. Merci à ceux qui ont préparé cette messe. Voilà, prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il y a une bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénéfices. Il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, il vous ouvre le bonheur sans fin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.
Thank you.